Salut à tous les amis, c'est PrestiGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, et le mardi comme vous le savez c'est une vidéo de magie. Et aujourd'hui pas seulement une vidéo de magie parce qu'il y aura aussi un peu en retard, je vais vous expliquer pourquoi, le résultat du concours des 50 abonnés. Donc voilà, vous avez eu à peu près 15 jours pour participer à ce concours. Voilà, il y a eu un gagnant, il a été tiré au sort, je vais vous le montrer en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo. Comme ça j'annoncerai le gagnant et en même temps je vous montrerai, parce que je l'ai fait sur une plateforme, donc je vous montrerai que c'est vraiment réel. Le nom du gagnant, qu'il est bien là. Donc j'ai fait qu'un seul gagnant parce que comme vous avez été que 15 participants, sinon deux gagnants ça aurait été trop simple. Mais vous inquiétez pas, je garde les jeux Xbox pour un prochain concours et les jeux PS3 j'en achèterai si vous voulez. Voilà, exprès pour vous si je vois qu'il y en a beaucoup qui se manifestent pour des jeux PS3. Donc aujourd'hui il y a un gagnant parce qu'il y avait 15 participants. On le voit en fin de vidéo. Et sinon, pourquoi je ne l'ai pas dit le 10 mars alors que j'avais dit que je l'annoncerais les vainqueurs, enfin le vainqueur le 10 mars? En fait, parce que je devais faire un live en même temps à la Gaming Network, mais bon, c'était vraiment nul parce que en fait, j'ai fait une petite blague dans la présentation. J'avais dit que je serais avec Adri Geek et de ça, mais en vrai, je connais pas Adri Geek, c'était une blague. Voilà, j'avais dit sur les dédicaces et tout, mais ça, c'était une petite blague. On est allé là-bas, bon, c'était pourri, il y avait 5 ordinateurs, c'était nul, il n'y avait rien de spécial. Donc, du coup, j'allais pas vous faire une vidéo dans cet endroit parce que vraiment, en plus, c'était énormément bruyant parce que les gens ils criaient et de ça pour. Pour rien, voilà, ils étaient à 8 sur un PC. Bon, bref, je vais pas vous embêter avec ça. Mais donc aujourd'hui, je vous annonce le concours, le gagnant du concours en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, aujourd'hui, petit tour de magie avec le feu. Donc comment contrôler le feu? Vous allez voir, donc c'est un tour qu'il faut faire avec précaution. Faut pas faire n'importe quoi, mais si vous faites attention, il n'y aura aucun problème. Je vous laisse découvrir ce tour. C'est parti. J'espère que ce petit effet magique avec le feu vous a plu. Donc on passe tout de suite aux explications. Alors, pour les explications, c'est très simple. Il vous faut une boîte d'allumettes. Avec pas forcément beaucoup d'allumettes, mais quelques-unes. Même une seule suffit, mais si vous voulez renforcer un peu l'effet, il vaut mieux en avoir plusieurs. Mais sinon, vous aurez besoin que d'une seule allumette qu'il faudra préparer. Vous prenez une allumette, vous voyez au début le bout est rouge, hein, le bout que vous pouvez enflammer. Ce que vous allez faire tout simplement en fait, c'est qu'au début, l'allumette n'est pas vraiment déjà utilisée. En fait, elle est juste avec, donc vous aurez besoin aussi d'un feutre noir, elle est juste coloriée en noir. Donc vous effectuez cette opération. Et une fois que c'est fait, en fait, on aura l'impression que votre allumette, donc là je le fais vite fait, hein, mais faites-le bien, donc avec un gros feutre c'est plus facile, ça prend 2 secondes, c'est juste que là je ne l'ai pas sur moi. Mais sinon vous voyez, vous la coloriez, voilà, vous coloriez même un petit peu le bout marron, voilà, pour vraiment donner l'illusion. Avec un gros feutre on a plus l'illusion parce que ça fait pas de petits traits, voilà, et comme ça on a l'impression qu'elle est noircie et qu'elle a déjà été utilisée. Vous voyez, je vous montre. Et ensuite vous avez, faut pas montrer le feutre noir au spectateur, hein, vous le rangez. Et ensuite donc vous allez prendre. Donc là, tout à l'heure, elles sont tombées dans la démonstration sans faire exprès, mais bon, c'est bien, comme ça, ça a montré que c'était des vrais. Voilà, donc vous prenez votre boîte d'allumettes. Avant de faire la présentation, vous pouvez montrer que vous pouvez mettre l'allumette comme ceci. Comme ça, on a l'impression que, vous voyez, vous l'avez mise sur le bord pour pas qu'elle brûle la boîte. Sinon, vous la mettez comme ça ou vous la mettez à côté, mais je trouve que ça donne, même si c'est pas très important, ça a un petit effet en plus, parce qu'on a l'impression que comme l'allumette vient de brûler, vous l'avez posée sur le côté pour pas qu'elle brûle, pour pas qu'elle enflamme la boîte. Donc là vous arrivez, vous faites la présentation, vous dites voilà, donc j'ai ici une allumette. Donc moi je l'ai fait en musique, mais sinon vous n'êtes pas obligé. Donc vous prenez l'allumette, vous dites, voyez, je viens d'allumer cette allumette. Voilà, je vous le montre, vous pouvez montrer aux spectateurs. Et ensuite vous dites à l'intérieur, bien sûr j'ai toujours mes allumettes, mais comme vous voyez à l'intérieur elles sont neuves, elles ne sont pas encore utilisées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrôler cette allumette et essayer de la rallumer contre la boîte malgré qu'elle soit déjà éteinte. Normalement c'est pas possible parce que regardez, si je prends l'allumette qui a vraiment brûlé, celle de tout à l'heure, regardez, si je fais ça, à part faire descendre noir, ça va rien faire. Vous voyez? Ça la rallume pas.
Tandis que là, vous allez montrer au spectateur, vous allez dire, vous voyez, cette allumette, elle est bien usée. Et pourtant, si je la frotte contre le boîtier, elle se réenflamme. Donc là, vous pouvez montrer qu'elle est véritablement enflammée. Et voilà, vous pouvez le faire examiner, vous pouvez montrer que c'est du vrai feu, hein, que c'est pas une allumette truquée. Vous éteignez, vous pouvez faire vérifier votre allumette et la boîte. Voilà pour ce petit effet. Donc, vous avez juste avec le matériel une allumette et le feutre noir. Donc, vous n'êtes pas obligé de montrer la boîte, sinon vous prenez juste une allumette, vous dites, regardez, j'ai une allumette. Ou alors même, vous pouvez, si vous êtes dans la rue, vous posez votre allumette discrètement, préparez, vous la posez par terre discrètement. Et vous dites à votre ami, regardez, il y a une allumette par terre, regardez, on va essayer de la prendre et de la rallumer, comme ça renforce encore plus l'effet, parce qu'on croit qu'elle était là depuis le début, alors que c'est vous qui l'avez mise. Mais bon, voilà, après, à vous de faire la présentation que vous voulez. Voilà, donc j'espère que ce petit tour vous a plu. Voilà, donc c'était le tour de l'allumette et de la flamme. Donc voilà pour l'explication de ce tour, n'hésitez pas à le refaire, il est très simple. Comme je vous ai dit sur ma chaîne, j'explique pas souvent des tours de magie, mais quand j'en explique un, en fait, c'est un tour que vous pourrez refaire, mais qui ne va pas vous amener sur plusieurs tours. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, mais je ne vais pas vous expliquer une technique de carte, parce que sinon vous allez comprendre plein de tours. C'est juste avec cet effet, vous pourrez juste, ce que je viens de vous expliquer, vous pourrez juste réaliser cet effet. Voilà, mais c'est pour avoir un petit truc à présenter à vos amis. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à lâcher le gros pouce bleu si ce tour de magie vous a plu, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez présenté le tour, si ce que vous en pensez, quoi. Voilà, et donc pour le gagnant du concours, le gagnant a été Charika59, donc c'est le gagnant du coup de la webcam. Donc, je vais le contacter, enfin, je l'ai déjà contacté en MP, là, je suis sur Facebook. Donc voilà, je le contacterai par Facebook et par YouTube. Et comme vous voyez aussi, je change souvent en vent de pièces. Donc là, il y a un autre décor par rapport à l'ancienne vidéo. C'est pas très grave. Donc je contacte Charika par message et je vais vous montrer tout de suite. Donc là, désolé, on va passer en un peu moins bonne qualité. Mais je vous montre tout de suite la vidéo pour vous montrer que c'est bien lui le gagnant sur la plateforme. C'est parti! Et voilà, donc vous voyez, le concours est ici, gagnant 1 charika5930@gmail.com. Donc là, comme on n'est pas beaucoup sur la chaîne, je ne cache pas son adresse mail, de toute façon, je ne vois pas l'intérêt que vous le contactiez. Mais voilà, donc participant et gagnant, vous voyez, c'est bien marqué charika59, Tom Quiz, on voit bien, concours 50 abonnés, webcam plus jeu vidéo à gagner. Voilà, donc je viens de le contacter, je lui ai envoyé, le message Facebook c'était déjà fait comme je vous l'ai dit, mais je lui ai envoyé aussi un petit mail. Voilà, parce qu'il m'avait laissé sur Facebook, donc je lui avais déjà envoyé un message Facebook, mais comme il répondait pas, peut-être parce qu'il sait pas que c'est moi sur Facebook, donc du coup je lui ai envoyé un mail par précaution. Donc voilà, le gagnant du concours, bravo à lui. Et voyez, on voit bien écrit 15 participants, et bravo à tous les autres. Vous inquiétez pas, il y aura de nouveaux concours très bientôt. Donc voilà. Je vous ai montré ce petit extrait de vidéo où on voit sur la plateforme. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Il y a aussi le vlog qui va arriver. Peut-être je le mettrai à la place d'une vidéo gaming. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'était PrestiGamer.